Yeshua. Wow. Regardez, si tu ne pouvais pas lire sans lunettes, commence. Quand il y a la présence comme ça, on y va. À nous aller. Ton dos, où tu as mal, là où tu as mal, touche toi-même là où tu as mal. Toi-même, touche. Oh, tu ne vois plus tes règles, touche là où l'esprit te poussera à toucher, prie. Ah bah oui. Quelqu'un ici ne pouvait pas se mettre à genoux. Regarde, mets-toi à genoux. Parce que tu avais mal au genou. Mets-toi à genoux, c'est fait, c'est réglé. Nous sommes le peuple élu. Ça va? Ça va? Ça va pas? Oh! Tu peux me tenir ça, Fabrice? Là! Il y a une délivrance là. Une délivrance qui s'opère. Et en même temps, c'est la délivrance de toute la famille. Et la restauration de toute la famille. Total. Quelqu'un ici demandait au Seigneur de le baptiser dans le feu. Ah ben tu l'as reçu là. Le baptême du feu. Le baptême du feu. On s'attend à lui. Il y a eu un tourbillon de feu. Regarde, regarde. Tout autour d'elle. Waouh, 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 waouh. Wow. C'est fort sur elle. Oh, 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 oh. C'est fort sur elle. C'est fort sur elle. Nous sommes le peuple élu. C'est fort sur elle. Une restauration. Une restauration terrible. Acclame le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Une guérison. Une délivrance totale. La mort s'en va. La mort s'en va là. Allez, sort. Allez, sort. Sors, acclame le Seigneur. Ouais. Le démon s'en va. Le démon de mort s'en va. Regardez-moi ça. La mort s'en va. Allez, sort. Allez, sort. On est Yeshua. Allez, sort. Sors, démon. Sors d'elle. Vous voyez le réveil là? En fait, la réunion d'aujourd'hui, c'est là. C'est là. Le démon s'en va. Ce démon me fixait, il avait peur. Il ne savait pas comment partir. Regarde, elle commence à tousser, ça sort. Waouh, 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 waouh. C'est un démon, Jonathan, qui fait au moins 20 mètres. Ouais, un long serpent. Et elle, elle va le vomir. Elle va le vomir. Elle va le vomir. Voyez ça? Un démon terrible. Le Dorlis, mari de nuit. Cette femme a été mariée la nuit. Voyez ça? Elle sort. Elle étouffe. Prions pour elle. Nous sommes le peuple élu. Allez, sort. Allez, sort, on a Yeshua. Allez, sort. Allez, remonte, sort. Voilà. Allez, sort. On a Yeshua. Allez, sort. Sort d'elle. Voilà. Voilà. Ça sort. Le mariage nocturne est brisé. Sort. Sors! Sors! Voilà! Allez, sors! Au nom de Yeshua! Démon, allez, va-t'en! Voilà! Sors! Nous sommes le peuple élu! Maintenant, laissez-la! Elle va se mettre elle-même à genoux. Cette femme,
reçois non seulement sa délivrance, mais le Seigneur trace son futur, sa destinée. Au nom de Yeshua. C'est qui pour toi? C'est ma belle-sœur. Ta belle-sœur? La sœur de mon mari. La sœur de Serge, mon mari. La sœur de Serge. Serge, viens. Waouh. Ta sœur, elle est mariée? Elle n'est pas mariée? Non. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas. Elle n'est pas mariée? Non. On l'a mariée la nuit. Par la sorcellerie familiale. On l'a mariée la nuit. Voilà pourquoi le démon dit elle est mariée. Elle est mariée? Chut. C'est son mari de nuit. Elle est mariée. Le Seigneur va dans la mairie spirituelle démoniaque et il efface l'acte de mariage satanique, diabolique, mystique. Au nom de... Waouh! Cha. Je vois le Seigneur en train d'effacer l'acte en question. Oui, pasteur David, c'est fort. Le maître est beau. Le maître est glorieux. Et il a pointé son doigt comme ça sur ce démon de nuit là. Ce mari de nuit là. Et le mari de nuit sort maintenant là. Vous voyez ça? Définitivement. Fini. Le Seigneur te rend ton mariage véritable. Qui a été volé. Volé. Fini. Ma soeur. Tu vas témoigner désormais la gloire du Seigneur. Fini. Voilà. Au nom de Yeshua. À genoux. À genoux. Tout genou. Tout genou. Toute langue. Que Yeshua est. Vous allez voir vraiment la puissance. Le Seigneur est là lui-même, il fait son travail. Bah oui. Elle-même va se mettre à genoux et elle va louer le Seigneur. Voilà. Et par ta délivrance, le Seigneur délivre toute ta famille, Serge. Voilà. Voyez, le démon s'en va. Waouh. Elle vomit ça. Voilà. Allez. Acclamons le Seigneur. Waouh. Voilà. Quelle grâce. Il est vraiment vivant. Voilà. À genoux devant le Seigneur de gloire. Voilà. À genoux devant le Seigneur de gloire. 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 Voilà. T'as pas le choix. C'est toute une légion. Hein? Seigneur, tu nous as dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Cette femme est venue posséder, elle ressort délivrée. Cette femme est venue charger, elle ressort déchargée. Et cette dernière chose qui reste, c'est une vieille femme de la famille qui est en train de sortir. Je la vois prendre ses bagages et s'en aller. Voilà. Au nom de Yeshua. À genoux.
Voyez. Le Seigneur n'a vraiment pas changé. Non. Là où on l'avait enterré, là, si le Seigneur n'est pas là, elle ne pouvait pas être libérée. Parce que là, non seulement que ses esprits s'en vont, elle reçoit une douche spirituelle, une purification. Voilà. Elle est baptisée, Serge? Ouais. Ah! On sera là à ton mariage physique. Seigneur. J'irai. Adonai se manifestera. Oh. Yahweh. Rapha. Oh, Shada, c'est bon pour ta famille. Ta prière est montée devant le trône. Dis le Saint-Esprit. Oh. Cette femme a beaucoup pleuré pour sa famille. Oh. Chanter. J'irai. Alors mets-toi à genoux. Waouh. Chada, j'irai Adonai. Oh! Oh! Yahweh. Père, reçois la gloire. Reçois nos chants. Quoi? Elle monte aussi et prie. Tu sais quoi? Elle aussi. Le Seigneur change son utérus. Attendez. Attendez. Et elle aussi, hein? Toutes les femmes mariées qui n'ont pas encore eu d'enfants, le Seigneur les a attirées ici, là. L'onction qu'il a mise sur toi aussi, Betty. Pour la famille. En fait, elle mode reçoit les enfants. Diane reçoit les enfants. Prisca reçoit aussi. Hey. Va là-bas naturellement. L'onction pour les enfants est là-bas. Elle n'est pas sur moi. Elle est là-bas. Elle est. Là-haut nous irons, là-haut nous chanterons, là-haut nous irons. Un chant nouveau que j'ai reçu au Cameroun, nous chanterons. Là-haut. Là-haut nous irons, là-haut nous chanterons, là-haut nous irons, là-haut nous chanterons, là-haut.
est mon sauveur. Yahweh est mon créateur. Je veux aller dans le ciel, adorer mon papa avec tous les anges. Là-haut, nous chanterons. Jamais vu ça, hein? Non. Qui est choqué, qui est encouragé? Dans le réveil, il faut être sensible. L'esprit opère là-bas pour les guérisons par rapport à la stérilité. C'est pas sur nous que l'onction se trouve par rapport à ça. Donc on laisse le Seigneur faire son travail. Ma soeur, ça va? Oui, ça va, merci. Comment tu te sens? Libéré. Waouh. Je voulais faire un court témoignage parce que, en fait, je suis d'origine haïtienne. Oui. Et ça fait des années qu'il y a une dame, elle m'a dit, un jour j'étais à une assemblée, elle m'a dit, elle m'a appelée par mon prénom, déjà elle ne me connaissait pas. Je lui ai dit, oh, c'est qui, c'est quoi ça? Et elle m'a dit, ma soeur, tu es mariée. Je lui ai dit, non, je ne suis pas mariée. Une femme qui ne te connaissait pas t'a dit, tu es mariée. Elle m'a appelée dans l'assemblée, elle m'a dit, ma soeur, je vois que tu es mariée. Je lui ai dit, bah non, je ne suis pas mariée, je sais mieux que vous. Elle m'a dit, si, tu es mariée. Dans les ténèbres, tu es déjà mariée. Et du coup, quand elle m'a dit ça, ça fait au moins 10 ans, j'ai dit, bon, elle radote. Et après, elle m'a dit, en fait, que dans ma famille, en fait, il y avait de la sorcellerie. Chez les haïtiens, ils font beaucoup de vaudou, des choses comme ça. Et elle m'a dit, en fait, que ton mariage est bloqué parce que tu es mariée déjà. Dans l'esprit, en fait, tu es mariée dans l'invisible. Et du coup, j'ai passé des années comme ça, j'ai pas compris en fait. Et du coup, j'ai continué à prier. De toute façon, moi, ça,
ce n'était pas ma priorité. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un. Et l'année prochaine, je proclame que je vais me marier dans le nom de Jésus. Je proclame vraiment aujourd'hui que je suis libérée des liens ancestraux, parentaux, je ne sais quoi. Je proclame que je suis libérée. Deuxième chose. Il est chrétien? Oui, amen, oui. Alléluia. Comment? Et au mois de mars, parce que j'ai des fibromes, j'ai beaucoup de douleurs, j'ai des fibromes. Le ventre il gonfle, j'ai des fibromes, je suis partie voir le gynécologue. Il m'a dit, écoutez madame, vous avez trop de fibromes, c'est trop gros. Il m'a dit, écoutez, dans votre cas, je vous conseille, comme ils appellent ça une hystérectomie ou quelque chose, je vous conseille de retirer votre utérus. Quand il m'a dit ça, j'étais assise, je lui ai simplement regardé. Mon cœur, il n'a pas sauté. Mon cœur, il n'a pas sauté parce que j'ai dit, Seigneur, tu as entendu ce qu'il a dit, le gynécologue. Je refuse cette parole. Je refuse, je n'ai pas enfanté, je refuse cette parole. Aujourd'hui, je prends ma guérison, je prends ma guérison. Amen. Je prends ma guérison. Et toutes les personnes ici, toutes les femmes ici, prenez votre guérison. Aujourd'hui, je me sens libérée. Amen. Je sais qu'il y a encore des attaques, mais le travail est déjà fait. Le travail est déjà fait, je sais qui je sers. Aujourd'hui, je suis libérée, je ne sais pas comment, je pourrais voler. Alléluia. Alors là-bas, c'est la sortie de l'hôpital. Oh, elle est en train de tousser là-bas. Là. Elle est en train de toussailler. Là, ici, là. Ça tousse. Il y a quelque chose qui s'en va. Serge, quelque chose de la famille s'en va définitivement. C'est un oncle bizarre qui est là. Regarde-moi ça. Serge, un oncle bizarre qui est là. Par la colère, l'oncle est rentré. Acclamez le Seigneur, cette chose s'en va. Sors. Un oncle sorcier s'est faufilé et resté là caché. En fait, c'est même pas nous qui délivrons, hein. Le père lui-même qui est là, il pointe là. C'est beau le réveil, hein. Regardez-moi ça. Eh ben Serge, chasse mon frère, c'est ta femme. Ah, faut la laisser au sol, c'est pas un problème. Ah ouais, faut se lever. Ah ben si elle veut se lever, ça c'est une autre affaire. Ivre du Saint-Esprit. Oh. Enfin, vous voyez pas que nous sommes tous en train d'observer, nous sommes spectateurs de l'œuvre que le Père fait. Les esprits humains ici et les démons ont dit non, non, nous on préfère partir. On ne sait pas à qui le tour. Le Père lui-même tombe sur les gens et... Waouh Seigneur. Regarde, viens. J'ai eu un songe sur toi ce matin pendant que je dormais. Une attaque de l'ennemi. C'était au Cameroun. Mais le Seigneur est vivant. Vivant. Le vivant pour les âges des âges. Pourtant, je n'avais pas pensé à toi.
Et j'ai eu ce songe-là. Et le fait que tu sois encore là, c'est que le Seigneur a confirmé cette délivrance, cette guérison au nom de Yeshua Mashiach. Oh, 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 oh. Regarde, viens. Toutes ces maladies bizarres là. Toutes ces maladies bizarres. On a mis sur toi une peau mystique dans le dos qui provoque toutes ces maladies, toutes ces complications. Et le Seigneur arrache tout ça définitivement. Pour que tu sois un témoignage. Un témoignage. Oui. Un témoignage. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur a béni sa mère, ben, il a visité en même temps. Amen. Voilà. Et... il y en a qui se disent, oh, mais c'est un jeu. Ah, il y a un monsieur qui est venu au programme de réveil il y a quelques jours, là, cette semaine. Chargé à bloc. Il ne croyait pas à tout ça. Là. Le réveil, là, c'est fort. Je dis, le Seigneur a dit, laisse les hommes, les autres prier pour lui. Des frères ont imposé à peine la main sur lui, qui est tombé comme un sac. Les démons sont partis, se relever, il a dit, ben non, je crois. Il dit, je crois que c'est la comédie. Ah. Ta femme est où? Venez. Au nom de Yeshua. Pas de divorce. Pas de divorce. Pas de divorce. Tu as eu ton baptême? Tu brilles. Hey. Il se passe des choses ici, hein? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Quand tu vas rentrer chez toi, le Seigneur va commencer à beaucoup te parler. Il va lui-même t'enseigner. Et tu vas prêcher la parole par ici et là. Et beaucoup de jeunes seront touchés. Ne touche pas aux femmes. Ne touche pas à l'argent. Le Seigneur va te surprendre. Il va visiter ta famille. Au nom de Yeshua. Amashiach. Alléluia. Tonton Sylvain est où là? Tout est accompli. Ça va? Tout va bien? Ils sont tes enfants? J'en ai pas. Il est où ton mari? J'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux? Que ma famille soit convertie. Ah. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh! Hey. Hein? Attends. On t'a touché au cou? D'ailleurs, tu m'as touché au cou, en fait, et il y a quelque chose qui a fait. Je sais pas, ça. C'est comme si j'ai senti mon sang circuler. Parce que je me suis fait opérer des. La thyroïde, ils me l'ont totalement enlevé. Je dois prendre des médicaments à vie. Et là, c'est comme si j'ai senti quelque chose circuler et j'ai envie de vomir. Elle se fait opérer, les thyroïdes, c'est ça? Oui, une ablation. Et quand j'ai touché son cou, elle a senti quelque chose s'en aller. Et là, comment tu te sens là? Elle doit prendre des médicaments à vie. Ça remonte. Ça remonte. Il y a chaud. Toi. Oui, moi, oui, toi. Ça va? Ça va, c'est bien ça. Tu aimes le Seigneur? Je sais pas. Tu ne sais pas. Non. Tu es baptisé? Oui. Dans l'eau? Oui. Oui? Oui. Et tu aimes le Seigneur? Je sais pas. Tu sais pas. Tu as quel âge? 22 ans. 22 ans. Tu vas au ciel? Je sais pas. Tu ne sais pas. En fait, toi, tu ne sais pas grand-chose. Non. Mais le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut changer ton histoire.
Qui t'a invité? Laetitia. Elle est là. Ah, elle est là. Ok. Dis-moi, tu vas aller au ciel ou en enfer? Ah, je vais aller en enfer. Ah bah oui, donc tu vas aller où? Je ne sais pas. Oh, si tu ne veux pas aller en enfer, donc il y a le ciel et l'enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, c'est que tu vas aller où? Mais je vais aller là où je vais aller. Tu veux aller là où tu vas aller? Ok. Comme ça? Elle ne veut pas repartir comme ça. Hein? Tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Ouais. Il m'a dit, celle-là, appelle-la. Oh, il t'aime beaucoup, le Seigneur. Je t'assure. Il veut vraiment être dans ton cœur, marcher devant toi, te guider, te conduire. Et il veut changer ta vision des choses. Pour que tu sois dans la conviction, dans l'assurance, pour affronter la vie, pour affronter l'avenir. Il t'aime, le Seigneur. Comment vont tes parents? Ils vont. Hein? Ils vont. Ah. C'est déjà ça. Alors, prions pour elle. Avec elle, tu veux aller où? C'est un piège. Hein? Non, pas du tout. Au ciel ou en bas? Je vais aller là où je vais aller. Toi, tu voudrais, tu veux vivre éternellement avec le Seigneur? Est-ce que tu veux être dans l'éternité avec le Seigneur Jésus? Il est au choix. Je sais pas. Tu sais pas, hein? Je ne veux pas dire devant tout le monde ce qui se passe là. Mais, il n'y a pas de hasard. Tu vois, non? Il n'y a pas de hasard. Qui l'a invité? Viens. Son cœur a été beaucoup blessé. Beaucoup blessé. Beaucoup blessé. Je ne la connais pas, mais elle a été beaucoup blessée. Il y a beaucoup de souffrance dans son cœur. Beaucoup de souffrance. Il y a eu, je vois son cœur avec beaucoup de coups de poignard, de couteau. Beaucoup de souffrance. Elle a vécu du haut de ses 22 ans, comme ça, là, plus de 20 ans, 22 ans. Beaucoup de souffrance, des choses qui l'ont dégoûtée. Et le Seigneur ne veut pas que tu meures jeune. Parce qu'il t'aime. Je t'assure, ma fille, le Seigneur t'aime. Il n'y a que Jésus, Yahushua, qui peut guérir ton cœur qui souffre. Il ne veut pas que tu sortes d'ici avec la mort, parce qu'il t'aime. Il veut faire beaucoup de choses avec toi. Il va juger lui-même les personnes qui ont fait du mal à ce petit cœur que tu as. Il va lui-même juger les gens qui ont fait du mal à ta famille, qui ont fait souffrir des proches. Le Seigneur veut essuyer tes larmes et il y a tellement de questions que tu t'es posées, tellement de questions que tu te poses. Et le Seigneur veut répondre à ces questions. Il veut être
ce Père plein d'amour pour changer ton histoire. Voilà pourquoi il t'a attiré ici. Ah oui. Il veut donner un sens à ta vie. Il me dit de te dire qu'il existe, qu'il est vivant. Il voit les questions que tu te poses. S'il existe, alors où est-il? Il est là et il te connaît, il t'aime. Il a vu tout ce que tu as enduré. Parfois, tu ne sais pas à qui ouvrir ton cœur pour parler de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Tellement de choses qui te révoltent, qui te mettent en rogne. Tout ça, oui. Mais ce n'est pas toi qui changerais. Ce n'est pas toi qui peux changer le monde et les autres. Tu vois, non, ma fille, le Père t'aime. Jésus, Yahushua, t'aime. Tu es son choix. Alléluia. Alléluia. Tu veux aller où? Monsieur. Alléluia. Top là. Wow. To see your face and I love your beauty, to know your grace. Voilà une âme qui vient de rejoindre le ciel. Elle a déclaré. Du coup, les démons d'incrédulité qui la retenaient sont partis. My cry, oh Lord, desire to see your face, to know your grace. Enfin, un appel d'évangéliste. Il y a une forte, une grande étoile sur lui qui brille. C'est un consacré du Seigneur, comme Samuel. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il me dit de te le dire. Et il t'aime. Il va commencer à beaucoup te parler dans les songes, dans ton sommeil. Il va beaucoup te montrer le ciel. Et tu vas écrire beaucoup de livres de témoignages sur le Seigneur. Et beaucoup d'enfants seront touchés. Le Seigneur t'aime. T'aimes plus que tu ne le crois. Et tu vas beaucoup chanter, chanter pour lui. Chanter pour lui. Tu vas jouer de plusieurs instruments pour lui. Ah oui. Je te vois avec une robe de médecin, une blouse de médecin en train de soigner les malades, de voyager dans le monde entier en train de prêcher la parole et de soigner les malades, de les opérer comme ça. Oh, il te connaît. Wow. Il t'aime. Tu aimes le Seigneur? Oui. Il sait que tu l'aimes. Wow. Magnifique Père. Qu'il apprenne l'anglais. Parce qu'il a beaucoup travaillé aux États-Unis et en Australie, dans les pays anglophones. Je vois des foules de gens qui sont délivrés, qui sont guéris. Des miracles terribles. Frère, tu es baptisé? Oui. Le Seigneur t'aime. On s'est vu la dernière fois. Amen. Alors ici. Comment? Elle ressent tous les symptômes de la rachianesthésie. Même chose, tous les symptômes. Toi qui es, vous qui êtes infirmière, donc elle ressent tous les symptômes de l'anesthésie, tout ça, donc c'est impressionnant. Ben oui, parce que, vous savez,
Ça fait des années de mariage. Toutes ces femmes qui attendent des enfants. Mais le Seigneur, c'est le réveil. Il est descendu et il a réellement opéré. On entend parler du réveil. On entend parler des actes des apôtres. Regardez. Ça, ce n'est pas un programme organisé. Hein? Non. Non. Sénateur, c'est ça le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Voilà. Quand on reste dans cette présence, il y a des maladies qui s'en vont, des AVC qui s'en vont, des sorcelleries qui ont été faites contre nous. Ça part. Complètement. Complètement. C'est ce qui se passe ici. Ouais. On a des cas, on a vu des cas où des gens n'avaient pas de trompe. Ça a repoussé. Une femme au Canada. Elle est venue, elle a dit, je n'ai plus de trompe, on m'a fait une ablation de deux trompes, je voudrais tomber enceinte. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, c'est réglé. Elle est repartie voir son médecin, le médecin a crié, elle a dit, le médecin a dit, d'où viennent les deux trompes que je vois ici? Elle a dit, c'est le Seigneur. Je suis reparti au Canada, 3 ans après, je vois une femme qui vient me voir avec un gros ventre. Elle me dit, bonjour, tu sais qui je suis? Je lui ai dit, non, elle m'a dit, je suis la femme pour qui tu as prié, qui n'avait plus de trompe. Voilà, la grossesse est à terme. L'enfant est déjà là, l'enfant a plus de 7 ans. Tu sais, le Seigneur me dit de te dire que tu es sa perle. Ne l'oublie jamais. Il me dit, dis-lui, je l'aime. Je l'aime, je l'aimerai encore et encore. Et encore, la main du Père est sur toi, quelles que soient les épreuves, les combats. Le Seigneur voit, je te vois escalader cette montagne difficilement. Mais le Père te dit, tu n'es pas seul, tu arriveras jusqu'au sommet. Et tous tes enfants seront appelés disciples de l'Éternel, disciples de Yahweh, les consacrés du Seigneur. Et dans la famille, il y aura des cœurs transformés. Des cœurs de pierre, un cœur de chair, des cœurs où il y a des forteresses. Le Seigneur les renversera et tu vas témoigner de sa gloire au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Donc là, on attend que l'opération, comme l'opération est finie, dès que les symptômes de l'anesthésie sont dissipés, eh bien, on s'en va. Parce qu'on ne peut pas laisser une personne opérée au bloc et quitter l'hôpital. Ça ne se fait pas chez nous. Tonton Sylvain, ça se fait chez nous. Je sais que vous avez de la route à faire, mais ça ne se fait pas chez nous. Frères et sœurs, personnellement, je ne suis pas satisfait parce que mon Père n'est pas assez glorifié. On verra des députés français en costume être délivré. Alléluia. Là, le sénateur a ouvert la voie pour les sénateurs français. Il fera. Depuis qu'il est sorti de prison, il a attrapé l'épilepsie. Depuis qu'il est sorti de la prison, il a attrapé l'épilepsie. Donc, il prend des médicaments à vie. Lève ta main. Tonton Sylvain. Tonton Mobad, tonton David. Priez pour lui, l'onction de guérison est sur vous. Présentement, pas sur moi. Fera. Oh!
Maintenant, vous pouvez la laisser. Laissez-la seule maintenant, s'il vous plaît. Waouh. Eh ben, dis donc. T'as vu ça? De Tilagang à l'amoureuse de Yehoshua Mashiach. La relève est là. La relève du péché à Yehoshua Mashiach. La relève. Oui, Théo, mon fils. Gabriel, il est où? Oui, oui. Ben dis donc, mon fils, c'est réglé. C'est pour quelqu'un qui est loin là-bas, c'est réglé. Ah, tu m'as dépassé maintenant, c'est terrible ça. Tu m'as dépassé. Tu es né là, là. Et dès que tu as, ça c'est le réveil aussi. La relève, amen. À l'époque, Tilagang. Sur YouTube, aujourd'hui, regarde. Le Seigneur l'a attrapé. Merci Seigneur. Voilà. Hey Yahweh. Vous savez quoi? Il y a des guérisons de l'âme que le Seigneur opère. Ah oui. Le Seigneur te dit, ta famille est sur la liste de la délivrance. Maman, frère, soeur, cousin, tout ça là. Ah oui. Le droit d'aînesse. La double bouche. Reçu cette grâce, finis le monde. Alléluia. Fini. Voilà. Tiens, tu veux de l'eau ou ça va? Tu veux de l'eau? Elle a de l'eau. Pardon. Qui veut de l'eau ici? Ben voilà. Quelle opération. Waouh. T'as déjà connu ça? Chut. S'il vous plaît. Merci, merci l'équipe, merci les gars. Eh ben, c'est terrible. Oh. Regarde, reviens. Tu sais que le Seigneur dit tu es belle sans ça. Parce que tu es sa princesse. Tu veux suivre le Seigneur, non? Comme celle qui a tout à l'heure, là, hop, enlevé ça. Tu vas être la princesse du Seigneur pour beaucoup de jeunes filles. Tu vois, non? Oh oui. T'as vu comment t'as chanté là? C'était beau, hein? Ça m'a encouragé.
Ah oui. Ça va booster. Booster. Top là. Alléluia. Booster. Le problème, c'est qu'elle, ça va être plusieurs jours comme ça sous l'onction. Donc, il faut beaucoup l'accompagner, mais être à la maison là, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour la famille. Oui. Avec le nouveau contrat de son mari. Pour la construction des hôpitaux. Vous m'avez fait la promesse pour construire des hôpitaux. Et je vous donne ce contrat-là, dit le Saint-Esprit. Hein? Ils ont dit, c'est un nouveau contrat. On finit les hôpitaux ici et là. C'est une parole qui est montée, non? Le Seigneur a entendu, non? Le Seigneur a agréé, non? Amen! Vous deux là-bas, venez. Oui, oui. Ça va? Ça va? Tout va bien. Tout va bien. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est vivant. Hmm? Ça va? Oh oui. Il est au contrôle. Il me dit de te dire ça. Acclame le Seigneur pour elle. Waouh! Oh! Oh! Il est où? Il est où? Qui? L'homme là. Ah, ben il est chez lui. Hein? Il est chez lui. Il est chez lui. Ouais. Tout va bien? Pour lui? Oui, pour vous deux là. Deux? Ouais. Tout va bien? Oui. Tout va bien? Oui. Elle est dans le cocon du père, là. On rentre l'agneau, le lion, on sort, on ressort l'agneau. Voilà, Diane. Voilà. Quelle opération! Regardez-moi ça. Regardez-moi le réveil. Nos sœurs mariées depuis des années qui reçoivent des matrices. Le Créateur est vivant, hein? Oui. Shema Israël, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, de tout temps, de tout temps, de toute ta, de toute ta. Et tu aimeras ton prochain comme. Elles n'ont jamais connu ça. Même nous-mêmes là, on voit. Même nous-mêmes, David. C'est ça, même nous-mêmes. Infirmière, cadre dans un grand hôpital, elle meurt de regard. L'onction est tombée sur elle. Et là, elle est en salle d'op. Du Saint-Esprit. Son Excellence, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer notre voix céleste? Ne croyez pas en l'existence du Créateur. Regardez tous ces signes-là. Regarde la joie du Seigneur. Oh,
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est force. La joie du Seigneur. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Wow! Wow! La matrice! Hey! 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 La joie! Ma force est dans la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. Waouh! La stérilité s'en va là! La stérilité s'en va! Elle sort! La paix du Seigneur. Elle sort! La stérilité s'en va! Famille, elle sort! Elle sort! Au nom de Yeshua! Elle sort! Mes soeurs, priez pour son ventre, ça sort, ça sort! Chassez la stérilité! C'est un truc fort, c'est un jeu de famille! Famille qui s'en va, voilà! Chassez ça! Retourne-la sur le ventre, ça sort! Ça sort, un sac, elle va vomir! La joie! Daniel, pour ta femme, c'est une sorcellerie qu'on a exercée contre elle depuis des années pour vous rendre malheureux. Mais le Seigneur a vu votre fidélité, votre consécration. Il va vous surprendre, il va vous étonner. La puissance de la résurrection opère ici, alléluia, dans sa vie. En France, on passait des temps comme vous allez nous entières. Travail. Ça ne veut pas ça, travail. Ah oui. Le Seigneur fait son travail. Wow. Elle est en train de recevoir les intestins tout neufs. Tout l'intérieur. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est la journée, c'est la journée, c'est la journée.
C'est la journée que le Seigneur a faite. Thank you.
qu'est-ce qui se passe? Là? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Non, là, le spirituel se transforme en physique. Non. Tout. Non. Là, quand une femme accouche, dès que l'anesthésie se termine, il faut évacuer. Là, c'est terminé. Elle a envie de se lever et elle va aller aux toilettes. C'est ce qui se passe. Julie, la chanson là, la chanson là, la chanson là. Julie est où? La chanson là. Sur le trône.
voulant t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es. Oh! Personne vous dire que tout ça ce n'est pas le Seigneur. Vous entendez, vous voyez, nous entendons, nous voyons. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Cette présence est devenue rare de nos jours. Rare. Toute la journée dans sa présence comme ça. Toute la journée. Toute la journée. Le personnel médical qui est là atteste que les symptômes des personnes opérées dans les hôpitaux sont les mêmes que ce que nos sœurs ont manifesté. Frères, sœurs. Nous sommes une génération privilégiée. Nous avons la nourriture gratuitement. Quand nous donne le Père, nous donne du pain, des sandwichs. Il nous donne des sandwichs, il nous donne des Bibles. Il nous donne la parole. Il nous délivre, il nous soigne. Il nous donne la vie éternelle. Il nous rassemble, il nous restaure, s'il vous plaît. Même si nous sommes attaqués, ne péchons pas volontairement. Non. Tu sors de l'hôpital là? Ça va? Ah. Ah. C'est ce qu'elle a dit. Mon peuple! C'est pour cela, le 17 septembre, on va se retrouver quelque part. Je sens que cette année, c'est particulier.
Parce qu'après, on va prendre de l'envol dans plusieurs directions. Oh, je vous dis. Chacune à son tour. Mes amis, c'est chaud. T'as vu, Héloïse, ça faisait longtemps. Là, comment le Père t'a... Waouh. Qu'est-ce que s'est passé? En fait, quand Diane s'est levée, qu'elle a commencé à marcher avec difficulté, le Seigneur me faisait comprendre, tu vois, je suis fidèle. Tu vois, je suis fidèle. Et en fait, effectivement, je réalisais, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ne pas... Tout ça, c'est pas un dû, c'est une grâce, le fait qu'on le voit de nos yeux. Effectivement, nos oreilles avaient entendu parler de lui, mais maintenant, nos yeux voient en réalité ce qu'il est capable de faire. De nos yeux, on le voit, et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'arrivais plus... À rien contenir, je... La première fois que je te vois comme ça. Moi aussi, je me suis jamais vue comme ça. Incontrôlable comme ça, non. Non, non. Et tu sais, pendant que quand tu as commencé à parler, le Seigneur m'a dit, pour ton frère là, il va revenir à lui. Emmanuel, il est consacré. Il va revenir. Il va abandonner tout ça. Oh oui. C'est pour cela aussi que tu as été secoué comme ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Est-ce que c'est pas ceci là? Non. Non. Il n'ira pas en enfer. Il n'ira pas en enfer, ma fille. Dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera,
cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Le 2 septembre, réunion des jeunes sœurs, des jeunes femmes. Il y a des sœurs, des femmes du Seigneur qui seront là. Si vous le pouvez, ne ratez pas cette réunion. C'est à quelle heure? 14h à Évry. Pour garder aussi le feu. On peut s'isoler de temps à autre, mais nous sommes un corps. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous sommes un corps. Même la tête ne peut pas dire aux pieds qu'elle n'a pas besoin d'eux, nous dit la parole. Quand on se retrouve ensemble et qu'on adore le Père ensemble dans la vérité, voilà les choses que le Seigneur fait. Ne jetez pas des pierres sur ceux et celles que le Seigneur utilise dans un domaine. Encouragez-les à la prière. Si vous voulez que l'on grandisse dans ce réveil. Ne regardons pas aux apparences des gens, parce que le Seigneur est en train d'attirer beaucoup de gens de toutes sortes. Ne soyons pas dans le jugement, mais dans l'amour. C'est le Seigneur qui transforme les cœurs. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, mais c'est celui qui l'est dans le cœur. Je crois plutôt, David, il faut qu'on ait plutôt une veillée ici. Genre le 17 jusqu'au 18, parce que c'est le 18, c'est samedi. Je crois, non? Mais il faudrait qu'on voit après, nous on va décoller pour l'Algérie. Parce que... Hein? C'est un lundi? Le 16. Souvent samedi 16, la nuit, toute la nuit... Amen. Hein? On va négocier le prix avec lui. Parce qu'on a soif. J'ai soif. Tu as soif. Nous avons faim de la justice. On a terminé, mais on n'a pas terminé. On a terminé ici, mais le Seigneur n'a pas terminé avec nous. Le Seigneur est fidèle, alléluia. Qui est encouragé? Ne laissez personne vous voler cette bénédiction, d'accord? Gardez-la. On vous insulte, bénissez. On vous met la pression, ne répondez pas. Un homme vient pour que tu ailles avec lui dans la chair. Dis, oh, oh, oh. Hier, oui. Maintenant, je suis devenu le temple du... Pas touché. J'attends le prince qui arrive. Ici même, il y a des choses qui se mettent ensemble de par le Seigneur. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, qui as dit, Seigneur, cette fois-ci c'est bon, c'est réglé. Je vous dis, c'est réglé. Le Seigneur me montre ici qu'il y aura beaucoup de voyages de noces. Si vous restez fidèles.
car elle, c'est un pasteur, un prédicateur que le Seigneur a préparé pour toi. Voilà la bénédiction du Seigneur. Tu vois, quand je te disais d'enlever ce piercing là, ce piercing, maintenant le Seigneur lui-même s'occupe de toi là, ma fille. Parce que ta vision, le Seigneur la change. Tu vois comment le Seigneur t'aime? C'est pour cela qu'il faut vraiment travailler. Voilà. Pour toute la famille, toutes ses soeurs, tout le monde. Je vous dis, quand on rentre dans la présence du Seigneur, on ressort sa piercing. Elle a du mal, non? Elle est partie pour essayer. Voilà. Elle a quel âge? 21 ans. 21. Cet enfant-là, le Seigneur a vu son cœur. Tu vois? Même les cheveux, là, ça va changer. Même les cils, là, ça va changer. Le mariage est devenu normal dans sa famille maintenant. Le mariage est devenu normal. Quelque chose de normal. Dans sa famille. Tu vois ça? Fidèle. Yeshua, tu es fidèle. Maman a beaucoup prié pour elle. Avec beaucoup de jeunes sœurs, il y aura un mouvement d'intercession. Mais il faut demeurer toujours simple. Un mouvement fort d'intercession. Un réveil au niveau de la jeunesse, de jeunes sœurs, de jeunes femmes. Du Saint-Esprit. Le Seigneur est bon. Ah oui. Baptisé dans l'eau. Oh. Oh.
guérison, la délivrance, la restauration, le baptême de feu. Vous voyez la délivrance pour elle là. La colère s'en va là. En fait, Madeleine, toutes les deux là, vous deux, le Seigneur avait prévu que vous travailliez ensemble dans la prière. L'ennemi est venu pour casser ça. Et le Seigneur vous remet encore ensemble parce qu'il y a un vent de réveil pour les femmes. Les femmes qui seront à l'écoute du Saint-Esprit. Vous connaîtrez, dit le Seigneur, un puissant vent de réveil et ça va secouer vos enfants. Vos petits-enfants, si vous êtes fidèles à l'écoute du Seigneur, s'il n'y a pas de critiques, de murmures, de cancan. Voyez comment ça sort ici. Le Seigneur ne veut pas qu'un petit démon reste. Ça va? Ça va? Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il veut t'accompagner. Oh oui. Dans la prière, il veut t'accompagner. Oh non, Yesh. Diane est où? Diane, ça va? Ça va? Hein? Alléluia. Ah ben voilà. On a terminé là, mais ça va continuer à la maison. Hein? Ça va continuer. Même dans le sommeil, vous allez vous réveiller, vous allez parler en langue. Qui n'a pas encore reçu le parler en langue? Mettez-vous ici. Ceux qui n'ont pas reçu le parler en langue encore. Levez vos mains. C'est une promesse. Le Seigneur peut l'accomplir chez certains selon sa volonté. Il y a des langues qui s'ouvrent maintenant, qui se délient. Maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Waouh! Il y a des langues qui se délient. Waouh! Waouh! Recevez ce don. Recevez ce don. Waouh! 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 Recevez-le. Elle a reçu. On acclame le Seigneur. Waouh! Les actes des apôtres. Alléluia. Le parler là. Kori lara ba shala la ba sheka tabo. On peut sortir du direct. Sortons du direct. Kori